Thank <laughs> you. Ok, il est maintenant 18h. Va... Je vais commencer. Sinon, voilà. Euh, bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui recevront cette vidéo en différé. <laughs> voilà. Parce que, euh, en fonction des sujets, ce n'est pas évident d'avoir euh, euh, une audience. Voilà. Donc, euh, pour, euh, pour ceux qui me découvrent, moi, ce n'est pas Joël Anani, le créateur de la chaîne YouTube, la chaîne, la chaîne sur laquelle. Euh, je, actuel, je, je diffuse actuellement. Et ce soir, je fais la deuxième vidéo euh, d'une série, de toute une série que j'ai commencée la semaine dernière qui, qui porte sur comment euh, investir en Afrique avec moins de 10 000 francs CFA euh, de capital, sinon de départ. Voilà, donc c'est une série qui m'a été, que j'ai eu à cœur de faire parce que très souvent, on... On parle d'entrepreneuriat, mais on ne se rend pas compte que tout le monde n'a pas les moyens euh, d'être entrepreneur, tout le monde n'a pas les moyens d'investir. Voilà. Euh, donc il faut, il faut, il faut rendre comment dire, il faut rendre euh, l'entrepreneuriat accessible à tout le monde, surtout à nos jeunes frères. À nos jeunes frères, je me rappelle euh, dernièrement, il y a un mois, j'étais à Abidjan, euh, J'étais en train de courir, je faisais mon jogging sur... Euh, à la Palmeraie, au complexe, au complexe de la Palmeraie pour ceux qui connaissent. Et puis un jeune qui m'a interpellé, donc je vous l'ai fait court. Euh, il m'a interpellé et puis il m'a salué et puis il hésitait à venir me voir, donc il m'a reconnu, assis du pays et tout, vous connaissez. Et puis il m'a dit comme ça que c'est bien, tu, ce que tu fais pour les repas de preneurs, donc ceux qui vivent euh, en, en, en Europe pour les attirer vers l'Afrique. Mais il m'a dit une chose qui m'a interpellé. Il m'a dit mais nous on n'a pas eu la chance d'aller là-bas, donc il faut sciencer pour nous, faut sciencer pour nous. Euh, pour ceux qui ne sont pas ivoiriens, ça veut dire qu'il faut essayer de voir dans quelle mesure tu peux essayer aussi de, de créer du contenu pour nous. Voilà, ce qui est un peu normal. Donc, du coup, ça m'a fait réfléchir que j'étais beaucoup axé sur les diasporas, les diasporas, mais effectivement, euh, il y avait des jeunes, d'ailleurs, dans mes audiences, c'est la France puis la Côte d'Ivoire, qui sont en Côte d'Ivoire et qui également s'intéressent à mon contenu, ce qui est une très bonne chose. Donc, j'ai voulu faire comme ça euh, une série de vidéos. Donc, aujourd'hui, on va voir... Un autre business qu'on peut lancer quand on a moins de 10 000 francs CFA. J'ai l'habitude de dire que les budgets à moins de 10 000 francs CFA très, très souvent, vous allez remarquer que c'est des choses qu'on a déjà en fait. Donc on a, on, a, on a déjà le nécessaire pour commencer en fait. Donc voilà pourquoi, parce que 10 000 francs CFA, on conviendra que ce n'est pas beaucoup d'argent. Donc c'est une façon de dire que pour moi, pour moi comment je le comprends, quand, quand, on, quand, je dis, quand moi je dis. Business à lancer pour moins de 10 000 francs, c'est une manière de dire à lancer avec des choses que vous possédez déjà, en fait, voilà, que vous possédez déjà. Donc, euh, là, c'est la deuxième vidéo. J'ai fait la première qui était sur le business de digital marketing et community management, donc à, à, à un certain niveau. Et puis là, aujourd'hui, on va voir euh, une activité, euh, je vous mets un peu dans le suspense, mais qui est, qui est négligée. Mais qui est très valorisé ici euh, en Europe, sinon euh, dans le monde entier. Mais euh, ça, ça, aussi, ça, aussi, euh, ça a aussi sa place en Côte d'Ivoire et en Afrique. Mais euh, on pas tant qu'il n'y a pas un nom réel qui est mis dessus, on n'a pas l'impression que c'est quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Voilà, alors que c'est le cas. Voilà, donc euh, c'est vraiment ce type de vidéo-là, le public, pourquoi j'ai mis ça à cette heure Le public, c'est vrai, vraiment euh, des jeunes. Donc euh, le, le profil de ces vidéos-là, c'est des jeunes hommes, des jeunes femmes, euh, 18-25 ans. Voilà, 18-25 ans. Donc euh, toi qui me regardes, euh, ça te concerne peut-être. Si jamais tu es plus âgé que ça, tu as des petits frères, n'hésite pas à leur partager ce live, partage-les, interpelle-les pour qu'ils viennent euh, regarder ce live. Euh, et également aussi, ce qu'il faut, euh, qu faut mentionner aussi, c'est que ce live que je suis en train de faire, n'hésitez pas à le liker, n'hésitez pas à, à mettre des pouces, n'hésitez pas à le commenter, de sorte à envoyer des bons signaux. Il euh, y a du son, oui, il y a du son. Merci euh, Niambrui, Cédric, Fabien Junior. Voilà. Donc, n'hésitez pas à leur partager ce contenu de sorte à ce que YouTube puisse booster la vidéo. Et si jamais tu n'es pas abonné à cette chaîne YouTube, profite pour t'abonner. Euh, je mets du contenu euh, qualitatif. Du bon contenu pour investir en Afrique, mais aussi dans d'autres pays. Là, je me suis vraiment lancé dans une série pour nos jeunes frères, pour les aider vraiment euh, à, à, à commencer à, à faire fonctionner en fait la matière grise. Ce que je vais dire, ce n'est pas révolutionnaire, mais euh, s'ils si ils se rendent compte de certaines choses, ils se rendent compte de certaines potentialités, sur 10, comme je dis, il y en a toujours un ou deux qui vont essayer et ça sera largement suffisant. Donc, le profil pour, pour le business de ce soir, c'est vraiment un jeune homme une jeune femme entre 18 et 25 ans, on peut le faire plus âgé que 25 ans, mais moins que 25 ans, c'est un peu difficile parce que vous le saurez par la suite, parce qu'en dessous de 18 ans, en général, on va être à l'école, on va être en cours, on va être étudiant, on peut toujours le faire, mais l'impact ne sera pas aussi puissant parce que c'est une activité où il faut du temps. Voilà, il faut beaucoup de temps. Et puis, il faut avoir une certaine expérience aussi de la vie. Euh, pour, que, pour justement être crédible et pouvoir accompagner des personnes. Voilà. Donc, en général, 18-25 hommes ou femmes, peut-être en fin de cycle scolaire, si euh, la personne euh, faisait des études, et puis euh, soit des personnes ou alors des personnes qui sont au chômage ou qui sont en recherche d'activités professionnelles ou des gens qui cherchent tout simplement une idée pour investir. Voilà. Donc, ça, ça va être vraiment le profil hommes, femmes, 18, 25 ans au chômage. Pourquoi Parce que c'est une activité qui demande beaucoup de temps, comme je disais tantôt. Et en général, comme j'aime à le dire, celui qui n'a pas une activité, celui qui n'a pas d'argent, celui qui n'a pas de voiture, celui qui n'a pas de moyens, de ressources financières, a toujours une chose que souvent même nous autres et beaucoup de personnes en vie, c'est le temps. Souvent, ces personnes-là ont beaucoup de temps libre. Et ce temps libre-là, justement, il s'agit de le mettre à profil, de le mettre à profit, pardon. D'ailleurs, pour la petite histoire, la chaîne YouTube est née parce qu'il y a eu un surplus de temps libre pendant le confinement. Aujourd'hui, quand on voit la chaîne YouTube, on se rend compte que c'est un produit de l'ennui, un produit du trop de temps libre, un produit de l'inactivité. Quand on voit ce que est devenu la chaîne YouTube, on se rend compte que c'est possible de fouiller en soi, de fouiller dans sa tête et de capitaliser, même quand. Euh, tout est, quand, quand, quand tout est perdu. Pendant le confinement, il n'y avait rien à faire. On ne pouvait pas sortir, on ne pouvait rien faire. Boum, on crée la chaîne YouTube. Aujourd'hui, plus de 1000 personnes sont bénies. Euh, maintenant, je peux dire 1000, 1000, 1350 personnes sont bénies à travers la chaîne YouTube. Une chaîne qui, à la base, euh, j'ai créée pour m'occuper. Voilà comment on peut, on peut transformer du temps libre en, en, en source de revenus. Voilà. Maintenant qu'on a vu le profil, euh, les prérequis. Il y a quand même des prérequis à avoir pour pouvoir lancer cette activité, je vais vous la dire ne vous inquiétez pas. Il faut être poli et courtois. Il faut être présentable. Avoir être intègre. Voilà donc être intègre, être digne de confiance et être comme je disais tantôt très 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 disponible. Cette activité là, moi j'en ai eu besoin lorsque je me lançais en Côte d'Ivoire, beaucoup de personnes qui arrivent en Côte d'Ivoire pour visiter ou pour le travail ont besoin de cette activité-là. C'est marqué dans le descriptif, c'est l'activité de guide touristique. Voilà, le mot est lâché, guide touristique, qui est tout simplement euh, des personnes qui vont se mettre à la disposition de d'autres personnes basées sur leur connaissance de la ville, du pays, tout simplement. Euh, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que... Lorsque moi, je suis arrivé en 2012, donc moi, je quitte, je quitte l'Afrique très tôt, je quitte l'Afrique très tôt dans les années 90, j'arrive en Europe, voilà, je fais toute ma vie et puis en 2012, je, en 2007 déjà, je rentre en Côte d'Ivoire pour voir mon père que j'avais pas vu depuis un bon moment, voir mon père, euh, montrer aussi, présenter aussi ma, ma femme actuelle aux parents, euh, voilà, en 2007, et, euh, et donc, j'ai fait l'apprentissage du pays. C'est un séjour qui est assez court pour visiter, pour se reconnecter avec le pays. Donc, après, je reviens. Et ce n'est qu'en 2012 que je commence à. Donc, cinq ans après que je commence. Euh, oui, 2007-2012. Non, 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 plus de cinq ans, je vous laisse calculer. Que je commence à, euh, à, à reprendre connect, 15 ans plutôt. Que je reprends euh, contact avec le pays en 2012. Donc, 2007-2012, 15 ans. Je commence à reprendre contact avec le pays parce que je commence à vouloir y investir. Et là, à ce moment-là, je vais en Angleterre. Donc, je commence à faire des petits séjours, deux semaines, une semaine, deux semaines, une semaine. Ceux qui me suivent connaissent, connaissent l'histoire. Et je me rends compte qu'arrivé sur place, je connais très peu de choses sur le pays. Je connais très peu de personnes. Je connais très peu d'endroits. Et c'est mon petit frère que j'ai laissé lorsque je venais en Europe qui est celui qui, qui, qui prend ma main, littéralement qui prend ma main et qui me montre à Bidjan. Mais combien de personnes viennent à Abidjan qui n'ont pas de petits frères pour, les, pour leur montrer Abidjan, qui n'ont pas quelqu'un de confiance pour les guider, pour les accompagner Et je peux vous dire, quand tu arrives à Abidjan et que tu ne connais pas grand monde ou que les personnes que tu tombes ne sont pas de bonne moralité ou que tu décides de t'aventurer tout seul, tu payes plein pot. Tu payes plein beau. Pour, pourquoi Parce que dès qu'on se rend compte partout où tu vas que tu n'es pas du pays, euh, forcément, euh, tous les prix sont adaptés au fait que tu n'es pas du pays. Euh, tu vas passer beaucoup de temps, tu vas perdre beaucoup de temps euh, à, à faire des activités qui, qui, te, qui, te, qui, te seraient, qui, qui seraient allées beaucoup plus vite si tu avais quelqu'un à côté de toi. Même toutes les personnes qui, sont, euh, qui vivent en Europe, qui vivent hors de la Côte d'Ivoire, à chaque fois qu'ils arrivent à Côte, en Côte d'Ivoire, ils ont toujours un frère, une soeur, quelqu'un avec eux. Mais tout le monde n'a pas ça. Tout le monde n'a pas ça. Donc, je me suis rendu compte qu'en Côte d'Ivoire, il y a des jeunes, quel que soit l'endroit que tu leur demandes, quel que soit le lieu que tu veux visiter, ils, euh, ils connaissent ce lieu, ils savent comment y aller, ils savent qu'est-ce qu'on y vend, euh, ils savent qu'est-ce qu'on y achète. Euh, tu demandes à un jeune Abidjan où est-ce que je peux avoir des bons jeans de qualité euh, dégriffés, ils vont te dire, va à tel endroit, derrière tel kiosque, ils vont t'indiquer exactement où tu peux avoir ça. Euh, moi, je sais que quand je suis à Abidjan, par exemple, moi, je suis un amateur de poissons et de crustacés, ça m'arrive énormément... D'avoir à aller euh, sur Facebook euh, les vendredis soirs ou les jeudis soirs pour savoir où est-ce qu'on peut euh, manger tel crustacé, où est-ce qu'on peut manger tel poisson, où est-ce qu'on peut faire telle activité. Et euh, voilà, je me démêle et puis je trouve l'endroit, j'appelle et puis je tente ma chance. Voilà. Donc, euh, si par exemple, toi, tu es à Abidjan et que tu remplis euh, toutes ces conditions-là, donc euh, tu es poli, tu es courtois, tu es quelqu'un d'agréable, bonne éducation, le guide touristique, tout le monde ne s'improvise pas, guide touristique, voilà. Il faut bien maîtriser la langue française. Si jamais tu peux, tu, tu te débrouilles bien en anglais, c'est tout bénef pour toi, tu vas te démarquer par rapport aux autres. Voilà, agréable, courtois. Si tu as le permis de conduire, c'est l'idéal, mais ce n'est pas obligatoire parce qu'il faut savoir qu'en général, le guide touristique, ce n'est pas forcément le chauffeur. Voilà, souvent même, il y a le guide touristique et il y a le chauffeur. Voilà, ce sera un peu difficile parce qu'en général, le chauffeur va… va en général, connaît quand même des endroits, mais le guide touristique, c'est son activité. C'est une activité, c'est quelqu'un qui a une très bonne maîtrise d'Abidjan, pour donner le cas d'Abidjan, qui connaît bien l'intérieur du pays. Voilà pourquoi, en dessous des 18 ans, j'étais un peu sceptique. En général, 20 ans, 25 ans et plus. C'est l'idéal. Mais bon, on suppose qu'après 25 ans, ça dépend. Est-ce que ça va t'intéresser? Voilà. Mais moi, ma cible ici, c'est vraiment les 18-25 ans, suffisamment grands pour maîtriser Abidjan, maîtriser les villes, avoir une certaine expérience de la vie. Pas trop, pas trop âgé non plus pour, pour, pour que l'activité puisse t'intéresser. Voilà. Donc, si tu remplis ces conditions-là, il faut savoir que tu as déjà quelque chose dans ta poche qui peut te permettre de commencer cette activité. Tu as déjà quelque chose. Je vous ai dit, les business à 10 000 en général... Il ne faut pas rêver. Euh, 10 000, ce n'est pas, pas un capital qui te permet de faire quelque chose. En général, il faut, il faut lire entre les lignes. Quand on dit un business à moins de 10 000 francs CFA, c'est qu'en réalité, tu as déjà tout ce qu'il faut. Je parle de ton smartphone. Je parle du smartphone que tu utilises tous les jours pour aller sur Facebook, Snapchat, Twitter, Pinterest, Instagram, YouTube. Ce smartphone que tu prends pour communiquer avec, euh, avec tes amis, avec tes proches, pourvu qu'ils puissent aller sur Internet, c'est la seule et unique condition. Et je peux même vous dire que vous n'êtes même pas obligé d'avoir un smartphone. Vous pouvez utiliser les cybercafés qui permettent également d'aller sur Internet. La seule chose ici avec cette activité-là, c'est de pouvoir aller sur Internet. Pourquoi sur Internet Parce que les clients sont sur Internet, parce que les contacts, les prospects sont sur Internet. Ce n'est pas, pas une activité où tu peux avoir des clients en faisant le bouche-array dans le, dans le quartier. Les clients, c'est les diasporas, c'est les gens qui vivent à l'extérieur. Tu vas pouvoir les contacter grâce à internet. Donc, tu peux avoir un bon smartphone qui te permet d'aller sur internet, comme tu peux aller euh, sur, euh, sur euh, dans un cybercafé, payer 100 francs la connexion, 200 francs, je ne sais plus, je crois que c'est 100 francs de l'heure ou, ou 200 francs de l'heure, je ne sais plus, mais une, une, une petite somme et être sur internet et puis pouvoir euh, euh, chercher ta clientèle. Donc, le premier outil, c'est un accès Sinon un, sinon, un périphérique pour accéder à Internet, ça peut être un smartphone, ça peut être l'ordinateur de maison chez tes parents avec la connexion avec la fibre, ça peut être un cybercafé. Donc, si tu es à la maison, ça te revient moins cher, il faut, 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 faut l'avouer. Mais tu peux aller dans un cyber également et aller sur Internet euh, sans trop euh, dépenser euh, trop d'argent. Voilà, donc le smartphone, sinon, un outil pour aller sur Internet. Et ensuite, il te faut créer euh, des pages euh, liées aux réseaux sociaux. Voilà, je pense, par exemple... Facebook. Donc dans un contexte africain, comme on a l'habitude de le dire, euh, ça va être vraiment principalement Facebook à la limite peut-être Insta, Instagram, mais ça va être beaucoup plus Facebook. Donc tu crées euh, une page Facebook, tu alors tant que tu es euh, vaut mieux vaut mieux vaut mieux créer partout. Voilà, donc la première chose déjà c'est de créer des pages euh, réseaux sociaux. Donc pour pour ça, il faut choisir un nom. Donc il s'agit de créer un profil. Il y a des personnes qui utilisent leur page personnelle pour leur activité euh, professionnelle. Ce n'est pas opportun. Si tu penses que tu pourras, moi je le fais, mais si tu penses que tu pourras rester aussi sérieux sur ton profil personnel que sur ta page Facebook, tu peux y aller. Moi, j'essaie d'être le plus professionnel partout, comme ça, ça ne pose pas de problème. Mais si ta page personnelle te permet de, 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 de filmer tes dégamages à la plage avec des copains, avec des copines, de plaisanter, de te relaxer, ce qui est tout à fait normal et sain, vaut mieux éviter ça pour ton activité professionnelle. Donc, tu crées de nouvelles pages, tu prends un nom, un bon nom qui soit invocateur, bien sûr, lié au tourisme, lié au guide touristique. Tu prends un vrai nom, un bon nom marketing qui, qui, fait, qui, qui vend. Et ensuite, tu vas créer une page Facebook, une page Insta, une page YouTube, une chaîne YouTube. Alors, tu ne fais que créer à ce stade. En fait, tu ne fais que bloquer le nom parce qu'on ne sait jamais où un business peut nous emmener. Vous voyez des fois, on va créer juste une page Facebook avec, euh, n'y pas Joël, non, peut avec Joël Communication, par exemple. On, on crée que la page Facebook et après l'activité cartonne tellement qu'on est obligé maintenant d'être sur YouTube, Twitter, Instagram, LinkedIn. Sauf qu'il y a déjà euh, quelqu'un à l'autre bout du monde qui, qui, crée, qui a créé lui aussi Joël Communication, sans S, exactement comme moi. Et du coup, il a bloqué en fait les autres channels. Donc, l'astuce ici, c'est que lorsque tu crées une page Facebook, tu crées le Facebook, le Twitter, le LinkedIn, de tout, tu crées tout, tu, du coup tu bloques les noms, mais tu restes concentré sur Facebook. Voilà, parce que dans un contexte africain, ça va être vraiment Facebook, tu restes concentré sur Facebook. Donc, tu as le périphérique, soit ton smartphone, soit l'ordinateur du cyber, tu as euh, trouvé un nom qui, qui est vendeur, tu as créé les différents réseaux sociaux avec ce nom. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Il te faut des visuels. Dans la vidéo précédente, je parlais de Digital Marketing et de Web, et de web Marketing, Community Management. Et je disais qu'on était tous des Digital Marketers et on était tous des Community Managers dans le sens où on a tous déjà, déjà des pages qu'on anime en faisant des posts, en répondant aux questions, en likant, en partageant. Donc, on est tous des Community Managers. Donc, bien sûr, tu n'es pas un professionnel, peut-être même que tu en es un, mais tu peux créer des visuels grâce à Canva. Donc c'est une application, c'est un site internet qui est aussi une application qui s'appelle Canva. www.canva.com. Voilà, je le rajouterai peut-être par la suite dans les commentaires. Donc www.canva.com. C'est un outil qui est gratuit. Donc il y a la version gratuite, il y a la version payante. La version gratuite te donne déjà une bonne base d'image. Ça va être en termes d'image la différence entre les deux. Ça va être en termes d'images. Donc, la version gratuite te donne déjà une bonne base d'images pour débuter. Il s'agit simplement de, faire des de poster, de, de faire des postes qui soient liés euh, au tourisme et à l'activité de guide touristique. Après, même si tu n'es pas trop fort à créer des visuels, il faut simplement euh, aller chercher des images, de, des images réelles, d'endroits de, réels. Parce qu'il n'y a rien de, de pire que la déception d'arriver dans un endroit, de ne pas se rendre compte que ce pas les photos qui étaient sur Internet. Tu vas dans des coins qui sont chics, tu prends des photos. Tu vas sur les pages Facebook, pardon, des coins qui sont chics, tu récupères les photos. Tant qu'ils n'ont pas mis un filigrane euh, sur la photo, euh, tu, tu peux récupérer juste les photos et animer euh, ta page. Voilà, tu crées un texte. Si tu n'es pas bon en rédaction, tu fais comme moi. Soit tu as une femme qui est bonne en rédaction, soit tu vois autour de toi, moi j'ai pris une rédactrice qui travaille avec moi, toi tu vois autour de toi euh, si tu peux avoir quelqu'un qui est plutôt bon en correction, on en a toujours euh, autour de soi, qui va corriger tes textes pour t'aider, bien sûr, à te lancer. Après, tu pourras euh, rémunérer cette personne. Et, tu, et tu, tu, donc, tu prends les photos, tu mets des textes et tu balances tu balances vers qui tu balances vers les gens de la diaspora les gens qui sont ici moi je suis actuellement en France des gens qui sont en France des gens qui sont en Europe des gens qui sont au Canada en Suisse en Italie des ivoiriens et tu leur vends tu leur vends du rêve tu leur vends des adresses tu leur vends une prestation qui est lorsque nous qui sommes ici on voit des photos vraiment paradisiaques on n'a pas l'habitude de voir ça ici automatiquement on est intrigué on va peut-être contacter la personne donc l'idée c'est de prendre contact avec les personnes depuis ici. Donc, si on fait le compte, le smartphone, tu l'as déjà, donc tu l'as à 0 francs CFA. Canva.com, c'est 0 francs CFA parce que, comme je dis, c'est gratuit. Après, tu pourras prendre la version premium, mais là, pour l'instant, c'est gratuit. Les réseaux sociaux, jusqu'ici, c'est gratuit pour créer un réseau social. Bien sûr, tu me diras, il faut une connexion, ok. Il faut, 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 euh, faut une connexion. Donc, apparemment, euh, à, il est possible à Abidjan de peut-être te fixer un budget peut-être de 500 francs. Par jour pour la connexion, ça te fait à peu près 3000 francs CFA euh, par semaine pour la connexion. Moi, ce que je sais, c'est que euh, je communique beaucoup, je travaille beaucoup sur les réseaux sociaux avec mon équipe à Abidjan. Euh, certains d'entre eux, euh, sur un réseau donné, je te laisse euh, aller faire euh, l'enquête pour ne pas faire de publicité ici, c'est possible d'aller sur les réseaux sociaux, même quand on n'a plus de passe. Vous voyez, Vous voyez que des fois, tout est là, mais on l'utilise euh, différemment. Voilà, donc actuellement, peut-être que tu utilises des passes réseaux sociaux gratuitement pour, pour, pour frimer, pour aller sur Internet, pour te balader, pour faire des buzz et tout. Euh, tu peux utiliser ce même pass pour créer de l'activité, créer du business rémunératrice pour toi-même. Voilà, donc euh, on suppose que tu ne connais pas cette technique. Donc j'ai jugé un budget de 3000 francs CFA par semaine, sachant que 200, 300, 400, 500, il y a des jeunes qui font des souscriptions comme ça par jour et qui sont sur Internet pendant des heures. Les réseaux sociaux, il ne s'agit pas d'aller euh, faire des recherches sur Internet, mais il y a beaucoup de d'opérateurs qui permettent d'aller sur les réseaux sociaux, même quand on n'a plus de connexion. Donc, zéro franc pour le smartphone, zéro franc pour Canva, zéro franc pour les réseaux sociaux. Et puis, une autre chose dont tu auras besoin, c'est de pouvoir créer une carte de visite. La carte de visite permet de moins parler et de laisser un acte de professionnalisme qui soit fort. Tu crées ta carte de visite à Djamé, par exemple, euh, ou même tu me diras, je n'ai pas de transport, pas de souci. Dans tous les quartiers, euh, souvent à, 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 à la marche, donc à une, distance euh, à, une, à une distance à pied, on a des calligraphes qui sont capables de, vous, de te faire des cartes de visite. Je te tutoie parce que cette vidéo, comme je dis, c'est vraiment pour le petit frère, la petite soeur, donc. Si vous n'êtes pas dans ce cas-là, partagez à vos, à vos jeunes frères, partagez à vos jeunes sœurs pour qu'elles puissent regarder la vidéo et dites-leur de s'abonner à cette chaîne pour y revenir régulièrement, activer la cloche de notification pour recevoir toutes les vidéos que je ferai pour eux, tous les lives ou toutes les vidéos que je posterai directement. Voilà, donc tu fais une carte de visite, une belle carte de visite first class vraiment qui, 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 qui en jette, qui, qui, qui claque. Tu fais ça euh, aujourd'hui à Abidjan, euh, 10 000 francs CFA, tu peux avoir 100 cartes. Euh, il y a des calligraphes qui acceptent de faire 50 cartes, 30 cartes euh, à un budget euh, raisonnable. Bien sûr, eux, dans leur activité, plus ils font d'exemplaires, euh, mieux ils gagnent et plus ça te revient moins cher. Mais ça ne sera rien de faire 100 cartes dans une activité que tu débutes. Tu peux en faire 50, tu peux en faire 30. Ça va te revenir peut-être à maximum 5 000 francs CFA. Donc... 3 000, francs pour la cadre, 3 000 à 5000 pour la carte de visite en fonction de comment tu vas négocier. Ensuite, la, la connexion et l'appel, 3 000 francs par semaine. Bien sûr, 3 000 francs, c'est pour les coups de fil et les messages. Et pour les réseaux sociaux WhatsApp, Facebook, souvent c'est gratuit quand tu as un pass avec certains opérateurs. Donc, pour à peu près 8 000, 7 000 à 8 000 francs CFA, tu es prêt déjà à pouvoir lancer ton activité. Tu as déjà, tu as tous les outils pour lancer ton activité. Tu sais ce que tu vas faire maintenant? Tu vas. Communiquer sur les réseaux sociaux au maximum de personnes possible. Comment tu fais ça? Avec ton profil, tu vas t'abonner dans les groupes diaspora, les groupes de tourisme en Côte d'Ivoire, les groupes euh, qui, montrent, qui montrent la beauté de la Côte d'Ivoire, tout ce qui est lié à ton activité. Voilà, les endroits de réjouissance, les groupes événementiels. Tu vas t'abonner sur ces pages-là, de sorte à ce que toute fois que tu fais une publication, tu ne fais que les balancer sur ces pages-là. Tu ne fais que les balancer sur ces pages-là, afin d'avoir le maximum de visibilité et d'attirer le maximum de personnes. Sur chaque publication, tu vas mettre un bouton. Euh, contacter ou appel ou WhatsApp qui est, lié, qui est relié directement à ton numéro WhatsApp. De sorte que les gens ne se cassent pas vraiment la tête. Ils voient une image, ils vont cliquer dessus. J'aimerais en savoir plus. Tu es toujours disponible pour les répondre avec ton pass gratuit que tu récupères avec un opérateur. Donc là, là, tu surfes tu surf vraiment sur du gratuit. Là, presque tout est gratuit. Là. Voilà, là, on est à quoi On est à 7-8 000 francs CFA euh, et déjà ton activité a déjà commencé. Je rappelle que c'est vraiment pour quelqu'un qui veut vraiment s'en sortir et qui galère vraiment. Et qui galère vraiment. Il y a toujours un grand frère dans le quartier qui pourra te donner 10 000 francs CFA. Tu as toujours un membre de ta famille qui pourra te donner 10 000 francs CFA. Quelqu'un. Si, si tu, tu connais un membre... Euh, tu, tu, si tu as un parent qui vit en Europe, appelle-le, dis-lui j'ai besoin de 10 000 francs CFA pour lancer mon activité. Je t'assure, nous qui sommes ici, si quelqu'un nous appelle pour nous dire qu'il a besoin de 10 000 francs pour lancer son activité, cette personne, on la considère comme sérieuse. Pourquoi Parce que déjà, 10 000 pour quelqu'un qui est ici, c'est un montant qui est vraiment bas. Et en plus, c'est pas donne-moi 10 000 francs CFA pour aller gazer ou pour aller m'amuser ou pour aller C'est ach... pour investir. Et on sera toujours curieux de savoir ce que ça va donner. Rien que pour la curiosité, moi je vais envoyer les 10 000. Moi, je vais envoyer les 10 000 et dire, OK, tu es mon jeune frère, tu veux 10 000 francs CFA pour tu me dis que tu, veux, tu peux transformer ces 10 000 francs CFA. Tiens-les. Ça ne me fait rien du tout de te les donner. Ça ne va rien faire à votre membre qui vit, de la, qui est membre de la diaspora, pour de vous envoyer 10 000 francs CFA, peut-être même qu'il va rallonger ces 10 000 francs CFA, juste pour voir ce que ça va donner. Bien sûr, il faut que vous ayez un bon témoignage, il faut que vous soyez sérieux. Je ne vous dis pas qu'à tous les coups, il va vous envoyer, mais il y a de fortes chances qu'il vous donne ça juste pour essayer. Ça va lui éviter de... Déjà, il va se dire, si je lui envoie les 10 000 francs CFA et qu'il s'en sorte, peut-être qu'il va me lâcher un peu les baskets, peut-être qu'il va arrêter de m'embêter, peut-être qu'il qu ne va plus me demander de l'argent, ou alors tu peux même être violent, tu appelles les membres de la diaspora, tu lui dis, donne-moi 10 000 francs CFA et je ne t'appelle plus jamais pendant 6 mois pour te demander de l'argent. Bien sûr, il faut que ce soit quelqu'un à qui tu demandes régulièrement, ou je ne t'appelle plus pendant trois mois pour te demander de l'argent. Rien que pour essayer, pour voir ce que ça va donner, il va t'envoyer cet argent. Faites, fais ce test-là et on en reparle. Tu descendras cette vidéo, je vais l'encoder, je vais l'envoyer sur Facebook et elle sera sur YouTube. Viens en commentaire, donne-moi ton expérience. Euh, Dis-moi si tu as essayé de demander, ça n'a pas marché. Je verrai ce que moi-même, personnellement, je peux faire pour toi. Euh, euh, Mets-moi en commentaire si tu as pris les 10 000, tu as essayé, ça n'a pas fonctionné. Dis-moi là où tu as bloqué et je pourrai te dire ce que tu peux faire pour réajuster les choses. Mais c'est possible d'investir avec 10 000 francs CFA. Il faut du courage. Il faut de la créativité, il faut de la motivation, il faut avoir envie de s'en sortir, il ne faut pas avoir honte de commencer avec 10 000 francs CFA. Voilà, il y en a qui disent euh, 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 investir en, en, en partie de zéro. Ce n'est pas possible d'investir à partir de zéro. 10 000 francs CFA, c'est déjà quelque chose. Même si tu n'as pas d'argent, que tu as un smartphone qui, tu qui te permet d'appeler les gens, c'est déjà quelque chose. La prochaine fois, on verra comment tu peux euh, t'en sortir en faisant de la livraison de, de repas. C'est peut-être pas la, première, la prochaine vidéo, mais c'est peut-être la suivante. Après, on verra comment, euh, comment euh, se lancer dans l'activité euh, de, de, de revente de produits, de fruits et de légumes à Abidjan à partir de, de, de montants euh, modestes également. Toutes ces vidéos-là, on va les faire. Je vous dis, il y aura, je ne sais pas combien de séries je vais faire, mais on va rester sur 10 000, 10 000, 10 000. Je vais tellement vous bombarder avec les 10 000 francs CFA que vous allez essayer. Et puis après, on passera à 50 000 francs CFA. Donc voilà, voici les paliers 10 000, 50 000, 100 000, 500 000, 1 million et au-dessus. Mais ça sera le capital de 10 000 qui va générer les revenus nécessaires pour aller à 50 000 et ainsi de suite. Voilà. Ensuite, une fois que tu as aguiché tes repas de preneurs, une fois que tu as aguiché tes diasporas, donc ceux qui vivent hors de la Côte d'Ivoire sur les réseaux sociaux, il y a de fortes chances que quand ils arrivent en Côte d'Ivoire, ils puissent te demander, tu peux leur proposer de venir les chercher à l'aéroport. Toujours courtois, bien habillé, propre sur soi, bien coiffé, euh, euh, agréable. Tu peux arriver avec des, des, des friandises euh, du pays, même des jus euh, naturels pour se déshydrater. Ils n'ont pas forcément besoin de ça, mais ce sont des petits gestes. Aujourd'hui, quand tu prends un Uber, tu prends un hitch, ils te donnent des bonbons, ils te donnent des gâteaux. Euh, voilà, moi qui ne suis pas trop bonbon, j'accepte. Un, ça me fait plaisir. Deux, on me donne, je prends. Voilà, mais en plus, ça me fait plaisir. Donc, c'est juste quelques, quelques, quelques petites friandises pour leur souhaiter la bienvenue, pour les aider aussi à, 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 à se sentir à, à, se à l'aise avec toi, pour s'ouvrir, te remettre leur bagage, tu les mets dans leur véhicule et ensuite tu les libères ou alors tu les accompagnes à l'hôtel, mais sans insister, c'est vraiment eux qui doivent proposer. L'idée, c'est vraiment de, le mettre, de les mettre à l'aise, de sorte à ce qu'ils puissent vraiment se remettre à toi et qui puissent vraiment se laisser euh, guider par toi. Donc, c'est un, un peu l'idée. Donc, euh, tu vas euh, les accompagner à l'hôtel, leur laisser ta carte, on s'appelle demain. Ça, c'est la première étape. Contacter les membres de la diaspora, avoir un premier contact avec eux, les mettre en confiance, les accueillir à Abidjan et euh, éventuellement être la personne qui va les guider pendant tout leur séjour. Je t'assure que... Si tu es le guide, si tu arrives à apprendre à, à être guide touristique d'une personne, d'un diaspora, si la personne est là pour deux semaines, un mois, pendant ces deux semaines, un mois, tu vas être vraiment, vraiment à l'aise pourvu que, évidemment, ça soit quelqu'un de bienveillant et de généreux, parce que tu vas visiter des endroits que tu n'aurais peut-être pas visités tout seul. Tu vas rencontrer des personnes que tu n'aurais peut-être pas rencontrées tout seul. Tu vas vivre un certain niveau de vie à leur côté, bien sûr, tout en se faisant discret. Euh, il ne s'agit pas de, 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 de vouloir te mettre à leur niveau, mais en général, moi, quand je suis à Abidjan, euh, que je prends un chauffeur parce que je vais aller dans un rendez-vous important, donc avec une location de voiture et tout, euh, le, 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 si je suis en réunion, si je suis en, en séance de travail ou si je suis en, en dîner d'affaires, le, 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 le chauffeur, je l'installe toujours à côté, euh, jamais avec nous, mais il est là-bas, il consomme, il mange, il boit. Il est à l'aise. Euh, L'idée, en général, on essaie, on essaie de toujours mettre la, cette personne-là à l'aise parce que entre guillemets, on dit qu'elle a, elle a notre vie entre ses mains. C'est pareil pour, pour le guide touristique. Tu te mets toujours à côté. Tu proposes toujours de te mettre à côté, mais tu vas rentrer dans des endroits où tu ne serais peut-être pas rentré si tu n'avais pas été à la disposition de cette personne. Voilà, donc tu vas vivre un certain niveau de vie. Tu vas expérimenter un certain, un, un certain niveau de choses, euh, certaines choses. Et euh, également... Euh, tu vas permettre aussi, si tu es avec quelqu'un qui est généreux, il y aura des pourbois, il y aura des, il y aura des rallonges, il y aura des petits trucs pour te mettre à l'aise. Et tu vas voir que le temps que tu vas passer avec cette personne-là, ça sera un temps de qualité. Donc, ça, c'est la première, la première méthode. Tu, tu, as, tu, as, tu fais la publication vers les membres de la diaspora, tu les accueilles et tu les accompagnes. On parlera de la facturation par la suite. La deuxième chose, c'est toujours avec tes petites cartes de visite, c'est te rendre dans des hôtels dans des établissements, dans des restaurants, dans les lieux d'accueil de touristes et déposer et y déposer ta carte. Tu déposes ta carte là-bas à la personne, bien sûr, qui est à l'accueil. Tu peux faire des leaflets format A5 euh, comme ça que tu vas déposer à l'accueil, que la personne qui est à l'accueil va distribuer aux personnes qui viennent d'arriver. Par contre, une chose très importante, c'est que la personne, qui, la personne qui est à l'hôtel n'a pas forcément intérêt à travailler pour toi. Il euh, y a peut-être même d'autres personnes qui sont passées avant toi. Et donc, ce qui serait intéressant pour toi, ce qui serait opportun pour toi, c'est d'intéresser cette personne. Tu ne viens pas juste, tu laisses ta carte, tu laisses tes leaflets et tu t'en vas. Parce que ça risque de finir dans la poubelle. Voilà. Donc, il faut intéresser la personne. Il faut intéresser la personne dans le sens où tu lui. Euh, soit tu lui remets un petit biais. Ou alors, étant donné qu'on est à un capital de 10 000, là on a dépensé 8 000 il nous reste 2 000, c'est de pouvoir lui donner la carte et dire que s'il y a des personnes qui te contactent, il aura quelque chose là-dessus. Ça, c'est le langage local. Voilà, il aura quelque chose là-dessus, euh, ou bien vous allez vous arranger, vous allez voir ensemble. Automatiquement, lui, déjà, il voit une opportunité déjà de, 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 de gain d'argent. Il voit une opportunité déjà pour lui de, de créer une source de revenus. Donc, vous avez déjà un deal. Voilà, théoriquement, vous avez déjà un deal. Donc, les, les personnes qui vont venir, il va avec joie euh, donner les leaflets parce qu'il ne sait pas euh, où ça peut, peut l'emmener. Voilà, donc, il ne faut pas juste déposer. Les cartes et parties il faut vraiment intéresser la personne de ce qu'elle pu te recommander. Donc, tu fais ça dans les hôtels, tu fais ça dans les restaurants, ça peut être dans ton quartier, ça peut être un peu plus loin, tu peux essayer de, avec les 2000 francs qui restent, cibler des, 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 des endroits particuliers et ensuite euh, prendre des transports, t'y rendre rapidement et puis euh, déposer tes cartes. Et pendant ce temps-là, tu continues à bombarder également les, 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 les pages Facebook de ces restaurants-là. Voilà, donc page Facebook des diasporas et page Facebook des restaurants et des hôtels. Tu envoies des affiches, tu envoies des messages. Tu es dans la prospection, en fait. La prospection commerciale, le marketing, c'est on envoie 100 mails. Euh, il y en a 60 qui ouvrent le mail, 40 qui ne l'ouvrent pas. Les 60 qui l'ouvrent, euh, il y en a euh, 40 qui lisent euh, le mail jusqu'au bout. Il y, a, euh, il y en a 25, par exemple, qui conservent euh, les, les, les informations. 18 qui vont, qui vont essayer de t'appeler. 15 qui vont essayer de te rencontrer, et puis finalement, c'est trois personnes qui vont signer. C'est ça le marketing. Donc, tu lances, ton, tu lances ta canne à pêche et tu récupères ce qu'il y a à récupérer. Voilà. Donc, ensuite, l'autre chose que tu peux faire aussi, la troisième chose que tu peux faire, c'est faire, faire de l'affiliation. L'affiliation, c'est quoi C'est vendre un produit pour d'autres personnes et être rémunéré, récupérer une petite partie. Voilà. Le programme d'affiliation qui est le plus euh, célèbre. Euh, en Europe, je, je veux bien le croire, c'est celui d'Amazon. Celui d'Amazon, c'est de référencer le principe d'affiliation d'Amazon, c'est de référencer certains produits d'Amazon sur ton site internet, sur ta page YouTube, ou alors de vendre des produits. Et lorsque euh, les, des personnes achètent ce produit-là avec Amazon, toi, tu récupères euh, un pourcentage. C'est ça l'affiliation. Donc il s'agit pour toi, une fois que tu as, tu as pris confiance, tu as développé ton activité, tu as mis ta carte, tu commences à avoir des petites coups de fil, fi, tu commences à, aller, à être à l'aise avec l'activité, tu peux aller voir les restaurants qui sont dans des zones pas très loin de ton lieu de résidence et leur proposer de leur emmener des clients aussi bête que ça puisse paraître leur emmener des clients qui vont qui vont qui vont consommer après ça sera à la personne d'être ouverte d'esprit pour comprendre que c'est un jeune qui est en face de moi qui se débrouille bien vrai que j'ai de l'activité dans mon restaurant mais je ne perds rien à ce que puissent m'envoyer d'autres clients. Aucun business n'a assez de clients. Voilà. Si par exemple, ils m'envoient, après, ça dépend comment tu vas vendre le projet. Voilà, euh, je, suis, euh, je suis guide touristique. Les Anglais disent, if you can't make it, fake it. C'est-à-dire, fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives. Si tu ne peux pas le faire, fais semblant. Voilà. Donc, je suis guide touristique. Tu te mets dans la peau du guide touristique. Tout mignon, bien habillé, présentable, un bon, un bon verbe. Je suis guide touristique. Mes clients sont principalement des membres de la diaspora. Déjà, quand tu dis à une restauratrice membre de la diaspora, elle voit déjà des factures, euh, elle voit déjà des factures euh, 25 000 au-delà, 50 000 au-delà, peut-être 60 000. Parce que, voilà, membres de la diaspora, en général, quand ils viennent, ne ils viennent pas seuls, il y a toujours un grouillard derrière, il y a toujours du monde derrière. Donc, déjà, quand tu dis, mes clients sont des membres de la diaspora, ça peut être des locaux aussi qui ne connaissent pas bien Abidjan ou qui ne connaissent pas bien l'intérieur du pays. Mais moi, je te dis, ce business-là, c'est vraiment pour les membres de la diaspora parce que c'est là où, euh, voilà, tu vas pouvoir capitaliser parce que... En général, ils ne connaissent pas, ils sont, ils sont, ils sont Gaou, ils sont Gawa et ils vont se laisser. Donc, Gaou, Gawa, c ils ne connaissent pas trop la ville. Je ne pas. Donc, j'étais au niveau de l'affiliation, c'est-à-dire permettre à des restauratrices ou des hôtels de pouvoir euh, vous remettre une partie du business que vous allez leur apporter, éventuellement euh, sur les clients que vous allez leur apporter, vous reverser une petite partie. Ça s'appelle l'affiliation c'est très développé dans les pays euh, en, en Europe, en Occident. Donc, euh, je suppose que si vous envoyez, si vous partez voir quelqu'un, en tout cas, qui est ouvert d'esprit et qui comprend certaines choses, elle sera, euh, sera normalement, elle devrait comprendre et vous permettre de, 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 de travailler avec elle en lui envoyant des clients euh, diaspora. C'est clair que si vous allez chez Tante Alice ou chez, chez ABBA ou, euh, ou chez Mizawi, euh, qui sont habitués à recevoir des diasporas, bon, ça risque de ne pas trop les impressionner, mais si vous allez euh, vers des, des, des restaurants, c'est-à-dire euh, que l'endroit où le, où le diaspora est logé, vous pouvez essayer de repérer des, des endroits intéressants autour et lui proposer, pourquoi pas. Donc, tout ça, ce sont des pistes d'idées. Comme je dis, euh, moi, je ne détiens pas la vérité absolue. C'est des choses auxquelles j'ai pensé. Euh, j'ai mis ça en forme euh, de façon structurée. Et vous voyez, les, les projets, c'est comme ça que les projets débutent. Voilà, tu as une idée, tu la mets sur papier. Euh, voilà, qu'est-ce qu'il te faut, où où, 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 les personnes que tu dois aborder, comment tu dois le faire, où tu dois le faire, pourquoi tu dois le faire. Et puis, tu y vas, tu fonces. Donc là, c'est un projet à 10 000 francs CFA. On, on est à peu près à, 8, donc à moins de 10 000 francs CFA. C'est le même document que vous allez faire pour un projet à 50 000 francs CFA, c'est le même projet, c'est le même papier que vous allez faire pour un projet à 100 000. Donc je vous ai dit, on fera 10, 50, 100, 500, 1 million, 5 et 10 millions. Vous êtes d'accord avec moi que pour arriver à 10 millions, il faudrait qu'on commence déjà par 10 000 et 50 000, déjà pour voir déjà le mindset. Ça sera très, ça sera très peu probable qu'un membre de votre famille vous confie 10 millions pour investir. Parce que si lui-même, il les a, il va les investir lui-même. C'est très peu probable qu'il vous confie 5 millions, même 1 million, même 500 000. C'est très peu probable. Aujourd'hui, le constat, il est clair. Les membres de la diaspora euh, se méfient de, de, des gens qui sont euh, au pays et, et certainement vice-versa, je n'en sais rien. Mais le constat, c'est ça. Vous, maintenant, vous devez être malin. Donc, comme j'ai dit, cette vidéo s'adresse aux jeunes frères et sœurs restés en Afrique. Donc, je m'adresse vraiment à eux. Le but pour vous, c'est de demander une somme, une petite somme, une somme modeste, et ensuite de fructifier cet argent-là. Moi, personnellement, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit j'ai besoin de 10 000 francs CFA, je vais les fructifier, je dis tiens, vas-y. Si cette personne arrive à transformer ces 10 000 francs en 50 000 francs CFA en un mois, non seulement je suis impressionné, mais je lui redonne encore cette même somme-là pour qu'il puisse encore les fructifier. Arrivé à un certain niveau, lui et moi on devient partenaire parce que je pourrais me rendre compte qu'il a la tête et qu'il sait comment on peut commencer petit et grandir. À partir de cet instant-là, cette personne peut fructifier n'importe quoi. OK, maintenant vient le coût, le coût de la prestation. Combien vous allez facturer pour, par exemple, une journée de, 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 de guide touristique avec quelqu'un qui, qui vit en Europe je suis allé mener un peu ma petite enquête ici en Europe, donc, puisque c'est quelqu'un qui va vivre ici euh, potentiellement. Combien est, combien est le coût pour, euh, pour, une journée, pour une journée pour visiter Paris Rendez-vous compte qu'une visite privée où tu es tout seul et tu as un guide, c'est 60 euros de l'heure en moyenne, entre 45 et 60 euros de l'heure. Donc, une seule heure, quelqu'un qui te fait visiter Paris, c'est le coût. Après. Vous allez vérifier sur Internet, vous tapez Guide touristique Paris, vous allez voir que c'est quelque chose qui n'est pas donné. Et quand c'est par groupe, c'est 50 euros par personne par jour. 50 euros par personne par visite, pardon. Par visite. Ça veut dire que si la visite dure trois heures, tu payes 50 euros par personne. Si vous êtes un groupe de 4, ça fait 200 euros pour visiter Paris. Après, ils vont vous montrer des bons coins de Paris. Mais là, n'est pas la question. Ce n'est pas l'endroit que vous allez visiter. C'est vraiment, moi, je vous donne ça. C'est pour vraiment vous donner le coût. Donc, quelqu'un qui vit ici... Qui sait qu'il paye 60 euros par heure si on le fait une visite toute seul, tout seul, cette personne-là, vous allez lui proposer par exemple 5000 francs CFA par jour pour, pour, pour l'aider à faire toutes ses courses, pour l'aider à partir à Marcori pour acheter du tissu, ou aller à Trésul pour acheter du tissu, ou aller à Djamé pour acheter tel, tel appareil, ou aller rendre visite à Engrais, les perles à, sa, à, à son frère ou à sa soeur. Vous allez l'aider à pouvoir gagner du temps et aller vite. Voilà. si par exemple, quelqu'un de la diaspora doit négocier un taxi, c'est plus avantageux pour cette personne de laisser un local négocier le taxi que de le faire lui-même. Parce que lorsque vous allez arrêter le taxi, déjà, quand il va entendre votre accent, il va déjà vous facturer. Alors que si c'est un local, quelqu'un qui est un jeune en plus, qui est, qui est dynamique, qui est dans le pays, qui parle pour vous, c'est ça à la force d'un guide touristique. Un guide touristique, il vous, il vous tropicalise. Un guide touristique, il vous localise. C'est-à-dire qu'il fait en sorte que vous vous adaptiez et que vous ayez l'impression d'être là depuis longtemps. C'est ça un guide touristique. Quand vous êtes avec un guide, vous n'avez pas l'impression de débarquer. Voilà. Moi, quand je suis arrivé, euh, moi j'ai eu beaucoup de guides, mais c'était des proches. Il y a eu mon petit frère, ensuite, il y a eu un ami à moi euh, à l'époque que j'ai perdu de vue. Voilà. C'était des proches comme ça. Il y en a eu un autre encore par la suite. Ce sont des gens qui m'ont montré Abidjan, qui m'ont permis de comprendre Abidjan, le fonctionnement d'Abidjan. Bien sûr, à un moment donné, quand vous tournez beaucoup, Effectivement, vous vous, 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 vous vous débrouillez mieux et vous, ça, vous pouvez arriver à vous débrouiller seul. Mais dans un premier temps, il vous faut, il vous faut être accompagné. Donc, avec entre à 5 000 francs CFA par jour, ça vous fait euh, 25 000, entre 25 000 et 35 000 francs CFA par mois, par, 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 par semaine. Donc, pourquoi je dis entre 25 000 et 35 000 C'est parce que j'ai pris une fourchette de 3500, 5 000. Euh, nous, dans, que ce soit moi dans mes activités agricoles ou immobilières, quand on prend un journalier, donc quelqu'un qu'on va payer à la journée pour une prestation journalière, on va le payer 3 000 francs CFA sans la nourriture ou 3 500 francs CFA avec la nourriture. Donc c'est comme si la personne vous payait votre journée. Donc voilà pourquoi vous allez pouvoir facturer entre 3500 francs CFA et 5 000. Mais c'est une activité qui est qui est un peu plus relaxante, un peu plus divertissante. Vous pouvez aller à 5 000 francs CFA. La personne, elle est contente d'avoir un guide, elle économise de l'argent, elle, elle gagne en temps, elle gagne en énergie, elle gagne en effort, et vous l'aidez à plus rapidement comprendre le, 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 le pays. Après, vous pouvez rester à 3 500 francs pour, être, pour, pour avoir une somme modeste, sachant que vous allez manger avec elle, vous allez vous balader avec elle, vous allez visiter des endroits. Donc, à vous de voir, Donc, entre 3 500 et 5 000, ça vous revient à entre 25 000 et 35 000 par semaine. Donc, on est potentiellement entre 100 et 150 000 francs CFA par mois pour une activité de guide touristique. Après, ça ne sera pas tous les jours. Voilà, quelqu'un qui vient pour deux semaines, vous allez rester avec elle deux semaines. Et puis après, peut-être que ça va s'enchaîner avec quelqu'un d'autre. Donc, la technique, c'est de prendre des sojours qui soient les plus longs possibles et de faire un forfait. Voilà. Sachant que vous, ce que vous recherchez, c'est l'expérience, c'est connaître beaucoup plus de coins. Euh, connaître beaucoup plus de monde et revendre votre expérience au, au, plus, au plus grand nombre. Donc, du coup, la personne se rend compte que son budget pour un guide touristique est entre 40 euros et 50 euros par semaine. Pourtant, elle aurait été en France, elle aurait payé 60 euros par heure si elle était toute seule, ou 50 euros par personne pour une visite. Une visite ne dure pas une journée. Une visite à Paris, c'est 45 minutes, une heure, deux heures, et puis c'est tout. Voilà. Ça, c'est 58 francs par personne, par visite ou alors 60 euros par heure pour une seule personne. Entre 35 et 60 euros, il y a différents prix. Mais elle, pour ce même montant-là, elle paye par semaine. Pourquoi je vous demande de vous intéresser au client diaspora? Parce que le client diaspora, il aura tendance à convertir. Or, un euro, ça fait 650 francs CFA. Donc, lui, quand vous lui dites un prix, ça coûte 650 fois moins cher que s'il si était ici. Automatiquement, il est plus motivé, il est moins regardant à... Être généreux par rapport à un local qui connaît exactement la valeur de 100 francs CFA euh, au pays. Voilà. Donc, euh, désolé pour la coupure. Euh, C'était l'idée qui était là. J'espère que vous allez pouvoir recoller les deux parties. Sinon, nous, au montage, donc, on va rediffuser la, 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 la on va faire un replay. On va, on va pouvoir euh, euh, faire le montage et recoller ces deux parties. Mais pour résumer rapidement, si tu es jeune, donc homme, femme entre 18 et 25 ans, qui est en fin d'études ou, qui, ou, qui, ou, qui, ou même qui est étudiant, qui peut consacrer deux, trois jours, euh, euh, deux, trois jours euh, de sa journée, de sa semaine, euh, deux, trois jours de sa semaine à cette activité, tu es bien placé pour gérer, euh, pour faire euh, l'activité de guide touristique. Donc, après, comme j'ai dit, il faut certains requis naturels euh, propres au caractère, donc être poli, courtois, euh, présentable. Euh, intègre, digne de confiance, euh, savoir bien s'exprimer et être disponible en tout temps pour pouvoir accompagner des personnes qui viennent au pays, soit pour affaires, soit pour en vacances, euh, soit pour visiter, peu importe. L'essentiel, c'est que ce sont des personnes qui ne connaissent pas Abidjan. Et il faut aussi avoir une très, 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 très bonne maîtrise d'Abidjan. Il faut maîtriser Abidjan sur le, sur le bout des doigts, sinon dans le, dans le creux de la main. Il y a des gens, vraiment, il y a des Ivoiriens, des jeunes Ivoiriens que moi, je connais au pays, qui maîtrisent Abidjan. Cette euh, compétence-là, tu peux la monétiser avec des diasporas. Alors, pourquoi tu pourrais avoir un smartphone, être disponible, être agréable, euh, être poli, digne de confiance, euh, maîtriser Abidjan, être disponible et ne pas capitaliser avec tout ça. Moi, je vous dis, la chaîne YouTube est née parce que je ne peux pas sortir de la maison. C'est-à-dire que je suis bloqué à la maison, il me faut une autorisation pour sortir de la maison. Je n'ai pas envie de faire d'autorisation. Et, et du coup, je reste chez moi, je, je m'ennuie comme un rat de laboratoire. Du coup, je crée la chaîne YouTube et regardez où ça en est aujourd'hui. C'est pour vous dire que des fois, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Il faut seulement faire un inventaire de, ta, de tes connaissances, de tes talents, de tes, de tes, de tes, de tes ressources, ton téléphone. Tu as peut-être peut peut agile. Combien de jeunes à Abidjan sont sportifs, mais ne comprennent pas qu'avec 10 000 francs CFA, vous pouvez récupérer tout le les mamans de votre quartier et leur faire des activités sportives tous les samedis. Vous allez sur YouTube, vous regardez des vidéos et vous faites ces activités-là avec les mamans, vous les facturez 1000 francs par séance. Et franchement, je vous dis, à Abidjan, il y a l'argent. À Abidjan, il y a l'argent. Je vais vous bombarder avec ce genre de vidéos où, pour rien du tout, la conversation est un réflexe. Voilà, oui, d'accord, euh, oui, oui, d'accord. Euh, voilà, donc, je vais vous bombarder avec ce genre de vidéos, de sorte à ce que vous compreniez que, mais, attends, je n'ai pas forcément besoin de 5 millions pour commencer une activité. Il s'agit de... Est-ce que vous savez qu'on euh, n'aide que celui qui commence quelque chose? Moi, tu m'appelles, tu me dis que tu as un souci. Si tu me dis que tu n'as rien commencé, tu ne me donnes même pas envie de t'aider. Mais si par exemple votre frère, votre tante, votre mère, votre père, votre grand frère qui est en Europe, vous lui dites que voilà tonton, euh, dernièrement j'ai cherché 20 000 francs CFA, il va me mettre touché, il va me mettre euh, blessé même que tu ne lui ai pas demandé. J'ai cherché 20 000 francs CFA avec des amis ils m'ont donné. Je suis allé euh, faire ma carte, j'ai euh, euh, communiqué sur les réseaux sociaux, j'ai eu des clients et tout. Euh, je les accompagne dans des endroits chics et tout. Ils me rémunèrent et tout. Maintenant, j'ai besoin de, 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 100, de 100 000 ou bien de 200 000, de 300 000 pour m'acheter une petite mobilette pour mieux me déplacer. Il sera beaucoup plus motivé à t'aider à acheter ta mobilette. Pourquoi Parce que déjà, tu avais déjà commencé quelque chose avec 20 000 francs CFA. Le truc, c'est de commencer quelque chose. Il y aura toujours quelqu'un qui va venir et va vous dire, mon petit, moi, je vais t'aider. Et il y a plein de jeunes comme ça. Je vous ai parlé de ce jeune à la palmeraie qui embouteille des jus qu'il achète à Adjamé. Allez voir mon précédent live. J'explique toute son histoire. Là, je le fais court. Qui embouteille du jus d'orange dans des petites bouteilles et qui vient nous blesser à côté du terrain de basket. C'est un jeune qui a observé et qui a réglé un problème. Donc, vous avez déjà tout ce qu'il faut. Seulement, il faut, il faut, il faut s'activer. Il faut avoir envie de faire quelque chose. Il faut... Vous voyez, je ne sais pas comment, comment vous communiquer cette, cette passion que j'ai. À, à pouvoir créer avec rien, en fait. Il y a tellement de fierté à pouvoir créer avec rien. L'argent providentiel, il n'arrive souvent presque jamais. Mais par contre, quand vous avez commencé quelque chose, vous serez surpris le nombre de personnes qui vous regardaient, qui attendaient que vous vous bougiez pour venir vous aider. Vous voyez, on ne pousse que celui qui a déjà commencé à marcher. Parce que ça dépense, ça, dé, ça, dé, ça demande trop d'énergie pour pousser quelqu'un qui est statique. Essayez de partir, essayez essayer de, essayer de pousser quelqu'un qui est statique et essayez de pousser quelqu'un qui est en train de courir. Vous allez voir que vous n'allez même pas mettre trop d'énergie. Une petite tape dans le dos et, et il tombe même, limite. Mais euh, le but, c'est de le faire aller plus vite. Voilà, bien sûr, ce n'est pas une tape, euh, voilà, c'est comprenez, c'est un coup de pouce. Voilà. Quelqu'un qui court, on peut plus facilement courir après lui, le pousser légèrement et puis accélérer sa vitesse. Mais quelqu'un qui est arrêté, l'énergie que moi, ça va me demander pour le pousser, je n'ai pas envie de perdre cette énergie. Donc, comprenez l'image et transposez ça sur l'entrepreneuriat. Transposez ça sur l'entrepreneuriat, vous allez tout comprendre. Voilà, tellement de jeunes à Abidjan qui savent bien parler, qui savent bien communiquer. Au fait, euh, soit dit en passant, si vous avez des questions, posez-les euh, pour que j'y réponde en même temps dans le flow, même si c'est vrai que ce n'est pas vraiment euh, l'idée du, 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 du live. Voilà. Euh, mais si vous avez des questions, euh, posez-les euh, et, puis, et puis et puis on partira avec. Voilà, combien de jeunes savent s'exprimer à Abidjan ont un smartphone un smartphone, ont Internet à la maison ou bien même Internet euh, euh, en allant chez, chez, chez de la famille, qui, qui ont la capacité de faire des, des graphiques, mais qui ne font rien avec tout ça, qui maîtrisent Abidjan, mais qui ne prennent ça que pour se promener ou, euh, ou renseigner les gens gratuitement. Il ne faut pas renseigner les gens gratuitement. Moi, si je maîtrise Abidjan, tu m'appelles pour que je te renseigne, tu me payes. Mais c'est ça. Parce que c'est une connaissance que tu as et tu ne dois pas la donner gratuitement. Bien sûr, après, ça dépend, tu peux faire des faveurs, mais la connaissance, ça se paye. Et nous, les Africains, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on qu implémente ça dans notre système de fonctionnement, de savoir que la connaissance, c'est d'abord payant. Et voilà pourquoi euh, tu, tu, voilà pourquoi euh, on dit souvent que dans notre communauté, on, on lit moins. Parce qu'effectivement, pour lire un livre, il faut le payer. Et si jamais. Euh, il n'y a pas trop de valeur donnée à, à, à la connaissance, ben on, du coup, on refuse de payer. Mais pourtant, euh, la connaissance, ça se paye. Que ça soit dans un livre, que ça soit dans un audio, que ce soit, euh, soit dans un livre à la bibliothèque. Même le livre à la bibliothèque, c'est vrai que nous, nous ne le payons pas, mais ça coûte quelque chose à quelqu'un, ça coûte quelque chose à l'État à travers le système d'imposition. Donc, tout est payant en réalité. Tout est payant. Voilà, donc euh, essayons de faire en sorte que ces gens de vidéos-là on puisse les partager. Moi, je vous invite à les partager. Moi, je vais les encoder, les mettre sur la page Facebook et la page YouTube. Et on va les partager au maximum de personnes. Partagez cette vidéo autour de vous. Même si votre petit frère n'est pas prêt à commencer quelque chose, ça va réveiller son esprit. On est pas, il n'est pas obligé de faire le business de guide touristique. On va en voir plein. On va avoir coach sportif. On va avoir revendeur de fruits et de légumes. On va voir livreur à domicile. On va tout voir je vais vous bombarder avec des vidéos que vous pouvez lancer à moins de 10 000 francs CFA. En d'autres mots, quand je vous dis à moins de 10 000 francs CFA, moi, j'essaie de vous dire avec des choses que vous possédez déjà. Ce sont des choses que vous possédez déjà. Parce que 10 000 francs CFA, on ne peut pas commencer réellement quelque chose avec 10 000 francs CFA. Parce que, en réalité, votre smartphone, il coûte au moins, si c'est un smartphone, il coûte au moins 45 000. Euh, euh, votre énergie... Pour faire tout ça, c'est inestimable. Votre temps, c'est inestimable. Donc, en réalité, le guide, le, le budget, le, le, ce, par exemple, ce projet, cette idée de guide touristique, c'est au moins un projet à, au moins à 200 000 ou 300 000 francs CFA. Parce que l'énergie que vous allez dépenser à pouvoir faire de la prospection, la déception quand on vous répond pas, le yo-yo de vos émotions, on vous répond, on vous répond pas, on vous répond, on vous répond pas, le temps passé sur internet, tout ça, il faut l'évaluer. Voilà, moi en tant qu'économiste, j'ai tendance à tout évaluer parce que tout doit être rationalisé, tout doit être budgétisé, tout doit être comptabilisé. Donc quand vous faites la comptabilité de tout ça, vous êtes à un business à 200, 300 000 francs CFA. Mais lorsque on dit moins de 10 000 francs CFA, c'est pour vous dire que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour entreprendre, commencer quelque chose avec ce que vous avez, vous allez être surpris de voir qu'il y a des personnes qui étaient disponibles, mais qui ne faisaient que vous observer, qui, vous, qui se disaient, bon, tant qu'il ne commence rien, moi je le regarde. Voilà, à la Palmeraie, euh, à un moment donné, euh, dans mon précédent, donc deux appartements avant, quand j'étais dans un autre endroit, il y avait un jeune à chaque fois qui venait me voir, euh, qui me disait, euh, euh, le, il disait quoi, là, le père c'est chaud, le père c'est chaud. Non, oui, oui le père c'est chaud, le père c'est chaud. Et j'ai dit, OK, donc c'est donc, chaud, ça veut dire que bon, c'est un peu Dieu sur moi, aide-moi. À ce moment-là, je faisais l'agriculture euh, rurale et j'étais sur la route de Yamsoukro à kilomètre 45 exactement. Et tous les matins à 4h30, je sortais de chez moi à la palmeraie pour éviter les embouteillages avec ma 406 grise et je prenais la route pour aller à Yamsoukro pour aller sur mon exploitation moi-même. Je me rappelle dans ce coin-là, on m'appelait euh, Bluffway, c'était un village baoulé. Donc, un bengis, euh, un, un, un quelqu'un qui a vécu en Europe, qui vient au champ, euh, on ne voit pas ça tous les jours. Donc, ils étaient, j'étais un, euh, euh, un peu connu dans le village parce que l'histoire les touchait. Voilà, l'histoire euh, apparemment les touchait. Voilà. Donc, du coup, euh, je lui ai dit, un jour, je lui ai dit, bon, d'accord. C'est chaud, donc de temps en temps, je lui ai dit 1000 francs, 2000 3000 Pas des grosses sommes. Moi, je ne vais pas donner des grosses sommes à quelqu'un qui ne veut pas bouger. Je lui ai dit, bon, demain. Je vais te prendre à la journée. Et la journée, dans le village où j'étais, c'était. Euh, bon, donc, comme là, c'était un village, c'était 2500 parce qu'on est en milieu euh, rural. Mais toi, comme je te prends à Bijan, je vais te payer 3500 euh, par jour. Et, je lui dis, et il me dit, eh, c'est pour faire quoi Je dis, non, c'est des, des activités champêtres. Allez sur ma page Facebook. Moi-même, personnellement, je suis sur le terrain, je fais la même chose. Donc, ce sont des activités champêtres. Donc, ce sont des activités champêtres. Et là, il a comme ça, il me dit, ah. Moi, vraiment, c'est compliqué. Franchement, je, je, si je fais le langage local, personne ne va comprendre, c'est compliqué. Machette peut me blesser. Il me demande, mais il y a des serpents. Non, bon, je lui ai dit, écoute, on va arrêter là. OK, parce que euh, quand c'est chaud, je pense qu'on euh, est prêt à braver les serpents. Bien sûr, nous, on ne le fait pas, mais c'est une façon de parler. Euh, Quelqu'un qui dit continuellement, c'est chaud, qui déjà voit le serpent, il euh, y, y a un passage dans un livre religieux qui dit... Euh, le paresseux, voire le, le paresseux, euh, euh, non, tu, tu mets la main du paresseux dans la marmite, mais il est trop paresseux pour l'emmener à la bouche. Voilà un truc comme ça. Donc, du coup, euh, tu dis c'est chaud, ça ment, vieux père, euh, c'est compliqué et tout. Et je te propose de venir travailler pendant une journée et être payé. Et ce que tu me réponds, c'est que est-ce qu'il y a des serpents, est-ce que euh, ma va te blesser? Bon, pourtant, moi, c'est ce que je fais. Je flirte avec les serpents, machette ne me blesse pas, serpent ne me mord pas, mais c'est avec ça que tu veux que je te donne de l'argent. Donc déjà, j'ai arrêté de donner de l'argent à ce jeune-là parce que j'ai compris que c'était un idiot. Voilà, j'ai compris que c'était un idiot. Parce que pourquoi c'était un idiot Il a le droit de penser ce qu'il pense, mais c'était un idiot dans le sens où dire à quelqu'un à qui tu demandes régulièrement de l'argent que ce qu'il fait, tu ne peux pas le faire, c'est en ça qu'il est idiot. Moi, j'ai un très bon euh, ami, Cédric Fabian Junior. Moi, j'ai un très bon ami qui a toutes ses compétences énumérées, mais il a plus de 30 ans. Mais comme je dis, il n'y a pas de limite d'âge, en fait. Moi, j'ai dit 18-25 parce que euh, on, dans, dans un contexte africain, euh, tu dis lancer un business à, à moins de 10 000 francs CFA. Euh, malheureusement, euh, il y en a qui diront… Franchement, franchement on va se dire les vérités. En Afrique, tu donnes 10 000 francs CFA à quelqu'un, il se dit quoi? Dans, dans l'immédiat, je vais me faire plaisir, je vais peut-être partir dans un restaurant d'un côté, je vais prendre un bon plat, je vais prendre une bonne boisson, je vais manger, je vais aller dormir. Ce programme-là, pour certaines personnes, est plus viable que faire tout ce que je suis en train de dire là. Parce que ce que je suis en train de dire là, attention, ce n'est pas simple, c'est contraignant. Voilà pourquoi euh, ma vidéo, c'est vraiment pour des personnes, pour des jeunes qui sont courageux, qui ont envie de réussir, qui sont ambitieux, qui sont sérieux. Parce que... Il faut, déjà, il faut remplir toutes les conditions. Donc, apparemment, s'il si est rempli, tant mieux. Ensuite, il faut, faut, faut aller sur Canva pour apprendre à faire des visuels. Faut il faut, 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 faut créer des pages Facebook, des pages de réseaux sociaux. Il faut aller faire des cartes de visite. Il faut, 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 faut aller démarcher des hôtels, des restaurants, faire de l'affiliation. Il y a des démarches à faire. Donc, c'est vraiment pour quelqu'un qui, qui a envie d'avancer, en fait, quelqu'un qui veut se bouger pour réussir, qui peut faire ça. Donc, ce n'est pas, pas évident que quelqu'un qui a plus de 25 ans, 30 ans, 35 ans, moi j'ai limité ça à 25 ans, 18-25 ans, c'était pour moi la tranche logique pour ce genre d'activité. Quelqu'un qui a 30 ans, il va pouvoir, tu demandes même à quelqu'un qui a 30 ans, euh, combien je peux te remettre pour investir, il va te parler de 500 000, de 1 million, de 10 millions, de 15 millions. Voilà, parce que les gens, ils, veulent, ils voient déjà les grands projets. Voilà, moi là, ce que, pourquoi j'ai maintenu l'âge suffisamment bas, j'aurais pu même dire 15-20 ans. J'aurais pu dire 15-20 ans, mais quelle expérience on a entre 15 20 ans Voilà. Donc j'ai dit 18, 25 pour rester un peu, un peu raisonnable, pour quelqu'un qui quand même maîtrise Abidjan et qu'un et qu membre de la diaspora, en qui un membre de la diaspora puisse se remettre. Un jeune de 18 ans, bon, un jeune de 15 ans, 16 ans, ce n'est pas évident. Sinon, normalement, 30 ans, on a la maturité qu'il faut, on connaît bien un de gens. Mais est-ce qu'on serait prêt à commencer avec cette somme-là Maintenant, après, après, moi, j'ai mis 10 000 pour que ça soit accessible à tout le monde. Mais ton ami de 30 ans peut faire la même chose, mais avec 50 000 ou avec 250 000. Mais moi, ce que je donne ici, c'est l'idée. Moi, je donne l'idée. Voilà, je dis que quand tu as toutes ces caractéristiques-là, tu peux être guide touristique auprès des gens de la diaspora. Ce, que ne pourrait pas penser, ce à quoi quelqu'un ne pourrait pas forcément penser. Quelqu'un peut être à Abidjan, il maîtrise, il a tout ça, mais il ne sait pas qu'il y a des gens qui arrivent tous les jours à Abidjan, mais qui ne savent pas comment fonctionne Abidjan. Pourvu que par les réseaux sociaux, tu, tu réussisses à les convaincre et qu'une seule personne te donne ta chance, et c'est parti. C'est cette personne qui va te recommander. Tu vas même devenir son bon petit. À Abidjan, vous savez ce que c'est que d'être un bon petit de quelqu'un qui vient de, 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 de l'extérieur, c'est pas mal. Ce n'est pas une activité en tant que telle, mais il y en a qui en vivent. Il y a des gens qui, qui vivent du bon petit A, si je peux m'exprimer ainsi, à Abidjan. C'est-à-dire que c'est le bon petit ou la bonne petite. À chaque fois que le diaspora vient, il y a un petit téléphone, il y a un petit parfum et le diaspora tourne avec toi pendant tous les séjours. C'est guide touristique, sauf que euh, la personne connaît déjà, elle aime ta compagnie. Donc, toi, tu vas devenir son bon petit. Et imagine un diaspora quand il revient en Europe et qu'il a son frère qui va en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il va dire Tiens, un petit truc va donner à mon bon petit. Franchement, c'est un petit, il est courageux, il se débrouille bien, n'hésite pas à, à le prendre, il est dynamique. C'est comme ça qu'il y a des gens qui vivent de ça à Abidjan. Voilà, donc à 30 ans, ton ami peut se lancer dans cette activité, mais moi j'ai dit à 10 000 parce que pour vraiment ceux qui disent je n'ai pas de capital, je n'ai rien, pour qu'ils puissent comprendre qu'en réalité, on a tout. Euh, salut Jean-Baptiste. Euh, quoi si Jean-Baptiste Moi, je pense, Jean-Baptiste moi je pense que l'âge n'est pas une barrière, mais le fait de passer à l'action qui nous retient le plus souvent. Oui, voilà, c'est ça. Moi, j'ai mis 18-25, mais, mais euh, maintenant même que j'y pense, j'aurais dû rien Mais euh, voilà, j'ai essayé. De... Parce qu'en dessous de 18 ans, tu n'as pas vraiment d'expérience. Moi, si je rentre au pays, je ne vais, euh, vais pas mettre mon, 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 mon séjour dans, dans, la, dans les mains de quelqu'un qui a 16 ans ou 17 ans. Voilà, 30 ans, 35 ans, c'est un âge qui est mûr. La personne peut faire ça. À ce moment-là, elle oublie les moins de 10 000. Elle se lance tout simplement. Voilà, elle prend son petit frère. Si tu as 30 ans, 35 ans, tu prends ton petit frère, tu lui dis, écoute, crée-moi une page Facebook, crée-moi une page... YouTube, euh, voilà, tout ce que, que j'ai énuméré là. Et puis, euh, Canva qui est gratuit. Si vous voulez des détails, de, peut-être que je vais le mettre en description. D'ailleurs, euh, je n'avais pas prévu ça, mais essayez de, 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 de rédiger ça bien et mettre ça en description pour que vous alliez voir. Euh, N'hésitez pas à, à partager cette vidéo également parce que c'est là où elle va atteindre le maximum de personnes. Et en ce moment-là où je suis en train de, de, de diffuser, euh, j'ai besoin de likes. Euh, j'ai besoin de partage, j'ai besoin de commentaires, de sorte à ce que YouTube également puisse faire son travail et que ensemble vous et moi, on puisse présenter euh, cette vidéo au maximum de personnes. Voilà. Euh, il veut manger manioc et puis il ne veut pas faire un chant. Ouais, en plus, euh, c'était un chant de manioc. Il y avait une grande partie qui était chant de manioc. Bon, bref, euh, tu m'étends, le gars, qui ne veut pas aller au charbon. Voilà, donc il y a cette, euh, cette mentalité-là que, bon, bref, franchement, le problème, il est tellement, il est tellement deep, il est tellement profond que... Euh, je n'ai même pas envie de commencer à l'aborder parce qu'on ne va pas finir. Voilà, donc le but, le business à moins de 10 000 francs CFA pour ce soir, c'est celui de guide touristique. Vous me direz, oui, mais guide touristique, c'est compliqué. C'est possible. C'est possible. Dans un premier temps, tu peux le commencer seul. Après, tu peux même prendre deux, trois amis et euh, facturer à, à, à des clients. Et, et, et prendre des bénéfices sur... En fait, tu peux, tu peux finalement partir, en t'enregistrer fait, carrément, en fait. Voilà. Aujourd'hui, avec le CPC, c'est l'enregistrement d'une société, c'est en un jour. Donc, au début, tu commences seul, mais très rapidement, tu, peux te rendre compte, tu vas te rendre compte que c'est une très, très, très bonne activité. Lorsque tu vas être, commencer à être connu parmi les membres de la diaspora, lorsque tu vas être connu dans les restaurants, les hôtels, les gens vont t'appeler, tu seras débordé. Tu seras débordé, tu seras obligé de prendre des amis avec toi faire mais attention c'est une activité où il faut être très 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 sérieux il faut être très 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 sérieux ce sont des diasporas ce sont des gens qui connaissent pas le pays euh, on pourrait avoir l'idée de les arnaquer on pourrait avoir l'idée de de, de de leur jouer des faux coups c'est pas une bonne idée ça si tu veux te développer à long terme c'est pas une bonne idée donc c'est une activité vraiment il faut être euh, voilà pourquoi j'ai commencé par les prérequis poli courtois, présentable digne de confiance c'est vraiment c'est vraiment important voilà. Donc, euh, écoutez, je vais, vous, je vais vous laisser pour ce soir. Merci beaucoup. Euh, Portez-vous bien. C'était Niépage de l'Anani pour la chaîne Assise du Pays. Abonne-toi si tu ne l'as pas déjà fait. Like, like commente euh, et partage sur tes réseaux sociaux Facebook, Twitter, LinkedIn. Partage autour de toi pour que, euh, euh, pour que le maximum de personnes puissent avoir accès à cette vidéo. Ceux qui sont dans la diaspora, s'il vous plaît, envoyez un smartphone à vos frères restés au pays, donnez-leur 10 000, 20 000 pour qu'ils puissent faire la première astuce que j'ai fait la semaine dernière sur le community management et le digital marketing. Envoyez-leur 10 000, 20 000 pour qu'ils puissent faire le business de guide touristique aujourd'hui. Bien sûr, s'ils remplissent toutes les conditions, il y a d'autres choses à faire. J'en parlerai dans d'autres vidéos la semaine prochaine. Soit je vais faire l'activité de guide touristique, ou alors je vais faire l'activité de distribution. De, de, de fruits et de légumes donc revendeur de fruits et de légumes à Abidjan. Euh, Moi-même je suis dans l'activité, je vous montrerai comment le faire. Euh, je vais également euh, éventuellement peut-être parce que là je, je, je préfère ne pas annoncer le sujet prochain parce que j'ai besoin d'inspiration, j'ai besoin de sentir le sujet, j'ai besoin de l'écrire, pas je me balance je me, je me mets pas devant vous comme ça pour vous parler, j'ai besoin de l'écrire, j'ai besoin de bien le poser afin que vous puissiez comprendre, que je puisse comprendre et qu'on puisse avancer. Je vais vous bombarder avec ces vidéos-là pendant un bon bout de temps, de sorte à ce que quelqu'un me dise en commentaire un jour de vos 10 euh, idées de business à moins de 10 000. J'en ai réalisé deux, ça marche et cette personne-là, peut-être que j'accepterai de l'aider. Donc voilà ce que je peux te proposer. Toi qui verras cette vidéo, voilà, c'est l'idée qui vient de, de, de me venir. Toi qui verras cette vidéo, je te propose de prendre tes propres 10 000 et de réaliser l'un des business dont j'ai parlé. Mais si tu peux me prouver par A plus Z que tu as vraiment pris les 10 000, c'est-à-dire que je, je suis quelqu'un qui suis très méticuleux et qui fait attention à tous les détails, si tu arrives à m'expliquer et que je peux vérifier que vraiment tu as pris 10 000, tu me donnes ton nom euh, des réseaux sociaux, donc ton nom, donc que ce soit digital, que ça soit ta petite agence de digital marketing ou de guide touristique, que si tu me donnes ton nom professionnel Facebook tu me dis les hôtels que tu as démarchés ou alors les clients que tu as démarchés, les pressings, donc ça c'était l'ancienne vidéo, les pressings, les boutiquiers, les, les cordonniers à qui tu as proposé de faire le digital marketing ou l'activité de guide touristique. Si tu arrives à me prouver qu'avec 10 000, tu as réussi à faire tout ça, moi je t'aide à aller beaucoup plus loin. Voilà. Donc merci à vous, bonne soirée et puis restez créatifs, restez productifs.